j'étais tout simplement en game et et voilà, et j'avais fait un gros trick shot. Donc j'ai fait un petit top 2, donc je suis mort par une grosse pute de ces morts. Alors le premier kill, il est pourquoi je vois pas moi? Pourquoi je vois pas moi jouer? Je m'en fous des autres. Non mais je m'en bats totalement les couilles des autres. C'est ça qui est le pire. On était à plus d'une part au début de game. Mais pourquoi je vois un squelette avec un casque de chevalier noir? Mais je m'en fous. Ah voilà, Guillermi. Voilà. Putain, ils me montrent un squelette, c'est mort, mais ils ont pas compris que je m'en tapais quoi. Alors on va un peu passer. Ouais, distance affichage. Pas se cacher que bon. Après. Voilà. En fait, ils montent sur le mode. Allez, dépêche-toi d'atterrir là, et commence à me saouler. Dis tout comme ça, c'est drôle. Michel va aller chercher l'arme dans la maison. Il se prend l'arme dans la gueule, traumatisme crânien, il ouvre la porte. Il casse l'armoire, grand-mère ne pourra pas lire. Il prend la caisse à munitions. Attentat numéro 13. Du 9-3. Après il prend le semi-auto, il se dit que c'est de la merde, il prend le truc de tempête, il se jette dessus sans faire exprès, il construit, il se rate l'édit en plus, il saute, il prend le coffre dans la gueule. Il range son stuff, il met sa vie. Il meurt parce qu'il a mis toute sa vie à ranger le stuff. Il prend les balles de sniper, il va tuer mémé dans le jardin. Il casse le sol, il casse le lit, Pépé et dans mémé ils pourront plus le faire. Prends le coffre, un barrette, ça sera pas bien pour les cheveux. Il avance du côté de la maison, il regarde s'il y a quelqu'un, il se casse la jambe. Il casse la poubelle, il pourra plus jeter l'enfant de ses chiottes. Il monte vers l'étage, il se prend le mur, hop, il boit la grosse pote, il s'en fout de partout. Oh là, c'est un schtroumpf maintenant. Il casse le lit, il construit, il essaie d'éditer, il arrive pas. Il y a Adrien qui jette un bleuvage jetant dans l'air, il veut soigner l'herbe, pourquoi pas. Il arrive. Il prend les bandages, il s'énerve contre l'arbre. Je me jette la répulsive sur moi. Pépé, c'est drôle. Il rentre dans la cuisine, il casse le chauffe-eau. Quand ça sera l'hiver, ça sera pas l'été. Il prend les mini-potes. Il ouvre la porte, il voit un lit, il le casse, et bah oui. Il casse l'armoire. Quand tu vois Bambi, tu fais genre que c'est mémé. Ok. Bah attends, je passe du coup. Comment on fait pour passer? Non, mais c'est pas grave, c'est drôle. Vas-y, attends, je passe. Ah là, je suis bientôt au bambino. Alors, je saute. Je repars du sous-sol, j'ouvre la porte. Et ben, je casse encore un lit. Il y aura moins d'enfants dans la France. Ça sera plus baby boom. Ça sera baby boom. Il jette les beuvages dans l'herbe. L'herbe elle commence à pousser. Il y a mémé qui arrive. Il vise mémé. Mémé elle avance dans le champ avec sa petite fleur dans le dos. C'est Chris numéro 2. Il se prend une balle de snipe. Il commence à paniquer. Il se dit que c'est la fin de sa vie et qu'il va casser sa manette. Il court dans le champ. Dans sa tête il dit, moi je suis Bruce Lee, je vais l'avoir ce Bambi. Et dans sa tête, je vais l'enculer. Et oui, j'avance vers lui, je tire dans la voiture, je lui tire dans les couilles. Il pourra plus avoir d'enfant. J'avance. Ah, pendant là, il faut que j'arrête de rigoler, les gars. Là, vraiment un truc sérieux. C'est j'ai fait un gros quickscope, un truc de malade. Vous verrez tout ça de vos yeux. Ouais. Voilà, j'avance. Voilà, là il y a le. Donc là il y a Tulminatul, le vul de Tul. Il a touché la boule. Moi je prends ma mini pote et tout. Voilà.
Ah, c'est pas du tout loin de là. Donc là, il a touché la boule, il dit qu'elle est low, la boule. Là, il y a la boule qui arrive, voilà, par là. Queenscope, elle tombe. Alors, c'est cette balle, les gars, je peux vous dire que vous devez la clipper au moins 3 fois. Parce que là, on dit que c'est nul. Là, il y a l'autre Bambi des îles qui glisse sur sa fenêtre, qui glisse sur la colline. C'est Mémé. Ah oui, il y a Mémé qui glisse sur la colline. Elle avait oublié sa planche de surf. Elle s'est cassée le poignet. Elle pourra plus jouer à la PS4. Là, il y a Adrien, donc la mémé numéro 3, qui prend les bombes ténébreuses dans un buisson. Il se croit caché, mais il l'est pas. Donc, je construis hard mal. Et oui. Et oui, je construis mal. Ah oui. Là, j'avais un instant de bug. Bugué, je me rappelle. Je prends le mur. Je rate, et bah oui, la base. Il prend le piège, je mets ma vie à Edith. Mémé, elle me rate, bah oui. Elle a dit quoi, la même mémé? Quoi? Mémé quoi? Mémé, elle me rate. Adrien met une tête, là je dis bravo Adrien, bravo Adrien. C'est où qu'il y a d'autres mémés? Je sais pas. En tout cas, il y a des pépés. Hein. Tu sais, tu pourrais être humoriste. Ouais. Vas-y, en vrai, ça pourrait être drôle. Aimerais être humoriste. Bon, voilà les gars, c'est juste pour vous montrer. On a fait un top 2. Et pépé, mémé. En game, tu diras ça, ça me fera. Allez, voilà. Eh ben, les gars. Ah, mais c'est pas toi! Parce que tu mets. Ah oui, c'est le mec que j'avais tué. Tu sais, quand il s'était keblo. Oui, ça, c'était mémé qui s'était bloqué avec les murs. Ah oui! Et tellement qu'elle est graisseuse, elle pouvait pas passer entre les trous. Et donc je l'ai tué, mais par chance. Les gars, bah, c'était Megaic, donc le Quickscope, franchement les gars, clippez-le à max. Allez, ciao.